Hey, on va commencer. Baldur's Gate 3. Trop bien. Trop bien, trop bien. J'avais fait un petit peu de l'accès anticipé. J'avais terminé l'acte. Enfin voilà, là. J'avais fait un run de la. De l'accès anticipé. C'était pas tout mal. Hein. Donc on va lancer tout ça. J'avais fait un clair de mémoire. On va partir sur autre chose. Hop là. On va se mettre en équilibré. Tata, parce que faut qu'il y ait un peu de difficulté quand même. Faut pas que ce soit trop facile. Allez, on lance. Ok. Alors, on va commencer une nouvelle partie. Alors, hop là, on va commencer une nouvelle partie. Donc là, on a les personnages pré-créés. On a Ombre Cœur qui est un clerc, ouais, c'est ça. Quelqu'un druide. Non, un mage, pardon. Magicien. Une guerrière, Astarion qui est un roublard, lui c'est un occultiste, une barbare et un ensorceleur. Alors nous on va se créer un perso, je pense qu'il y a avec sombre pulsion, j'essaierai peut-être une run un peu plus tard, mais en off probablement. Mais on va, ça c'est des joueurs qu'on pourra. On pourra rejouer plus tard. Donc, enfin, c'est des personnages qui pourront nous rejoindre aussi en groupe, donc dans le groupe de voilà, lorsqu'on jouera pendant notre aventure. Donc, on va plutôt sur un joueur personnalisé. J'aimais mieux la présente, comment dire, l'éditeur de perso qu'il y avait au moment du. À la création, enfin, lors de comment dire, lors de l'accès anticipé, là, je le trouve un peu moins clair, enfin, un peu moins bien foutu. Avant, c'était vraiment étape par étape, là. Ouais, je sais pas, je trouve que les menus, on les voit moins bien. Donc, ouais, je sais pas. Bon, c'est peut-être une habitude, juste, c'est pas bien grave. Hop là. Alors, je pensais. La dernière fois, je crois que j'avais fait un demi-elfe. Ou un elfe ou un demi-elfe, je ne sais plus exactement.
Donc là, je pensais faire un draw, donc un elfe noir en fait, plus ou moins. Il y a les tieflings qui sont pas mal aussi, mais voilà, je voulais, ouais, je me disais plus un draw. Alors là, tatata, draw dévoué, à l'autre draw, celle-là. Leur déesse cruelle et corrompue. Ah. Sème la terreur dans les tréfonds obscurs. Ok. Bon, en gros, c'est quand même des personnes. Bon, faut régler les conflits mais avec tous les moyens possibles, hein, donc ça peut être. Ça peut être un peu. Ouais. Je me dis pourquoi pas. Alors je voulais jouer. T'as armure légère, machin. Moi je. Ce qui me tentait, c'était. Il y avait occultiste qui me tentait. Il y avait ensorceleur avant tout. Et druide. Et je pense qu'on va faire un ensorceleur qui me plaît bien. Il y a le moine à ce qui paraît qui est hyper balèze. Mais bon, après on va recruter les bardes aussi. Je pense que ça me fait un peu marrer ce truc là, mais enfin bref, de toute façon après je referai des runs de mon côté. Donc on va dire pour l'instant ensorceleur. Alors, ah ben c'est juste après qu'on peut. Attention, degré de difficulté du sort, attaque de sort. Ok. Donc, on a le droit à 4 sorts mineurs. Les sorts mineurs, normalement, c'est les sorts qu'on peut lancer sans. Enfin, en permanence. Donc, lumière. Ça, c'est pas mal. Ah, un objet. Ah, jusqu'au en repos. Ah non, d'accord. Ok, donc ça c'est cool, ça. Froid glacial. Dégâts nécrotiques. Ouais, donc ça. Ça joue même sur les morts vivants. Après, aspersion d'acide. Chaque créature touchée, ça c'est pas mal. Alors tu peux faire du friendly fire, mais ça fait partie du jeu. Aide à la visée, ça c'est pas mal. Par contre, vous bénéficiez d'un avantage sur votre prochain jet d'attaque. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection contre les armes. Réduit de moitié, ça c'est pas mal. Main du mage. D'interagir avec eux. Ok. Bouffée de poisson projette une bouffée de gaz toxique. Ami, vous bénéficiez d'un test de charisme contre une créature hostile. Ok. Lumière dansante. Claire dans un rayon de 9 mètres. De feu. On jette une gerbe de feu. Ça, c'est pas mal, ça. Illusion mineure. Illusion, ok. Poignée électrique, ouais. Rayon de givre. Ok. Aspersion d'acide. Ça, c'est pas mal, les aspersions d'acide. J'ai des dextérités. C'est pas mal parce que ça permet. Un des 8, un des 10. Ok, ça c'est un des 6. Alors la cote.
Ça inflige des dégâts à plusieurs créatures, c'est l'avantage sur le trait de feu. L'aide à les viser. Ah, c'est de la concentration. Il y a le trait de feu quand même qui est pas mal. Après, la lumière, c'est pas mal dans l'obscurité, ça peut aider les partenaires. C'est quand même cool. Et là, qu'est-ce qu'on a? Sort. Dans les sorts, on a quoi? On a orbe chromatique, projette une sphère infligeant. Ah ouais, quand même. Tonnerre. Ok, et ça c'est projectile magique. Ouh. Ah, par contre. Ah, plus la force, plus. Il y a de 2 à 5 points. Les dégâts de force. Toujours leur cible, ça c'est pas mal. On en a plein, main brûlante. Ok. Charme personne. Charme permet ce qui l'empêche de vous attaquer. C'est pas mal ça. Déguisement, repli expéditif, non. Simulacre de vie. Feuille morte, ok. Sommeil. Bouclier, ok, rayon empoisonné. L'avantage c'est que ça atteint toujours le truc, ok, donc ça c'est une armure, dommage. Bon amélioré, ouais, ça me sert à rien. Couteau de glace, puissant ça. Toutes les créatures proches. Voilà. Nappe de brouillard, vague tonnante. Libère une vague. Un arc électrique. Bon, après, de toute façon, on va gagner d'autres sorts au fur et à mesure aussi, de mémoire. Enfin, je pense, j'imagine. On va tenter ça. On va laisser ça. Juste ça, l'aide à la visée. Je sais pas. J'hésite un peu. L'aide à la visée. Bah, je pense que ça joue aussi pour. Pour. Le bénéfice. Bon, de toute façon, au pire, on teste et puis on verra, hein, tant pis. Alors là, on avait le choix entre plein de trucs. Ah, aptitude de sous-classe. Déferlant des chaos. Activer ce pouvoir afin de bénir. Jeu d'attaque des 1. Ok, super. Et magie sauvage. Ok, donc ça, on avait le choix en truc. Donc là, on a la magie sauvage, on a la lignée draconique. Donc ça. Donc là, on a une lignée qui dans ce cas-là. Enfin, ça nous confère pas mal de trucs, ça. Sorcellerie des tempêtes. Là, l'avantage c'est qu'on peut voler, mais j'aime bien la magie sauvage qui est un peu aléatoire. Donc, enfin, il y a un aspect aléatoire, donc ça peut être rigolo de pas savoir ce qui va se passer. Savoir étrange, savoir, enfin, historique, pardon. On dit alors, comme là on est.
Alors, soit on fait un artisan de la guilde ou là. Grosso modo, on devient ultra cheaté sur les dialogues. Prédressage. Acolyte, perspicacité, religion, ouais. Charlatan, tromperie, escamotage. Tromperie, ça peut être marrant, mais. Tromperie, discrétion, non, ça je veux pas. Acrobatie, représentation. Héros du peuple, artisan, noble, là on connaît l'histoire et la persuasion, ça se peut être pas mal. Sage, arcane. Soldat, athlétisme, intimidation, ouais, mais ça colle pas trop. Gosse des rues, escamotage et discrétion. J'ai rendu bien artisan de la guilde où là on a perspicacité et persuasion qui peut nous aider pour toutes les dialogues et c'est vraiment, je pense, qui. Ce qui fait sens avec un sorceleur. Voilà. Donc là, sur les caractéristiques, je pense qu'on n'est pas tout mal. On va garder ça. Ouais, on va juste éditer la torrance. On va faire un truc un peu sympa. On va faire. Bon. Ok. Non. Where to next? Non. What was that? Let's hope the local hells. Some be oh. Wary. It's opened. I wonder what's back there. More of those. There's magic keeping this chest sealed. Ok. I can feel its aura. Ok, ça me va, ça me va. Un truc un peu violet quoi. Ok. C'est un peu n'importe quoi. Tiens, ouais, avec des marques comme ça là, ça fait très dark, très très dark. Maturité, on va faire un vieux. Un yeuve, hop là, tac, ouais, la sagesse et tout, un ensorceleur, non, c'est quelqu'un de. Voilà, quantité de taches de rousseur, allez, et puis l'intensité. En même temps, on voit pas des masses, hein. Si, un petit peu, mais c'est pas hyper. Ça, c'est un peu dégueulasse, en effet. Ok, on va faire un truc. Ah merde, j'ai oublié de changer ce. Bon, ça fera que je change les settings pour cette partie-là, pour pas être strike, machin, et tatouage et tout. Alors, pas sur la tronche. Quoique. Comme ça, non, c'est les. Non, sorceleur, c'est vrai que ça. Juste comme ça là, ouais, non, sorceleur, comme ça là, avec. On va changer un peu la couleur. Ah. Ouais, voilà, un truc un peu plus discret comme ça. Piercing, on s'en fout. Les yeux. Non. Non. Ah, bien. Maquillage. Pareil, ça faut. Oula. Après, si c'est un peu plus crade. Ouais, pas mal. Hein. Ok, allez, hop là. Dinde des lèvres. Mais ça faut prendre une autre couleur un peu bizarre. Ouais, un truc comme ça. Très bien ça. Des cheveux. Hop là. Ouh, nom de Dieu. Non. Non, 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 non.
C'est intéressant. Ou non, deux, ouais, non. Ouais, ça fait un peu métallo, hein. Un peu métal. On va faire un peu comme ça, ouais, ça sera un peu mieux, les cheveux un peu sales là. Tac, les mèches. Ouais, pas mal. Grisonnant. En même temps, il est déjà gris. Ça peut le faire. On pourrait faire une grisonnance. Putain, ouais. Là, ça ressemble à rien là. Tac. Puis il peut pas, il a pas de pilosité lui. Ok, ça marche. Pouf. Pas mal. Donc c'est un draw. C'est un drone, on va l'appeler Madère. Je pense que vous aurez le jeu de mots. On va l'appeler Madère comme ça. Le dromadaire. Hop là. Ok. Souras. Pas envie de me faire chier par contre à. Ah ouais. Bien. On va faire ça. Ok, alors toi teinte. Non, on va pas. Non, on va pas. Oula, non. Oula, non. Truc. Ouais, comme ça, bien. Maturité. Bon. Allez, on va faire ça. Tâche de rousseur. Hop là, on va essayer de se rapprocher. Hop là! Voilà, c'est mignon comme ça. Dépigmentation, c'est chaud. Ça fait vraiment grand brûlé, quoi. Bon, après, ça arrive, mais. Non. Parce que. Oh la vache. Bah, allez, un truc comme ça, ouais. Non. Ouais, comme ça, là. Tac. Très bien, ça. Tatouage. Non, ça fait trop code barre. Oh la vache. Non, 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 non. Peut imaginer ça. Ouais, ça limite plus. Allez. Des yeux, on va les faire clair comme ça. Boah. Truc qui pénètre bien dans les. Ah, joli ça. Allez, ouais. Hop là. Regard pénétrant comme ça, c'est pas mal. Hop là, on va faire un truc un peu. Non. Non, ben non. Ah. Non. Non, ben non. Non. Ah. Voilà. Un peu léger. Non. Non, faut un truc qui tranche quoi. Faut un truc en effet qui tranche un peu. Ah, pas mal ça. Ouais, ça tranche bien ça. Pareil, un truc qui tranche un peu. Voilà. Non, mais ça va donner, ça va donner. Alors le gris, non, faut qu'ils arrêtent avec le gris. Non, Hmm.
C'est sympa la musique. Bien. Non, je sais pas, je trouve pas. Je vais la faire rousse un peu. Ouais, pourquoi pas. Des mèches. Pas mal ça, pilosité faciale. Alors non, ça par contre on va pas faire ça. Hop là. Ben voilà, mais c'est trop bien. Non, j'aime pas les cheveux en fait. Je suis pas fan des cheveux là. Là, je suis non. Non 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 non. Ça ne va pas. Rien ne va. Rien. C'est le bordel. Ah. Déjà mieux. Peut-être réduire ça. Ouais, comme ça. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, allez. Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti pour l'aventure. Thank you.
Impressionnant. Ok, pas mal. Alors, pour commencer, oui, ok, centrer la caméra. Someone else got out. At the ready. Ah, restauration. Est-ce que j'ai tous mes points? J'ai tous mes points. Donc ça va. Alors c'est quoi du coup? Non, raté. C'est quoi? C'est ça, c'est ça. Ah, coffre de cartes. Ah ah. Par où tu passes? Ouais, tu passes par là. Ah bah oui, mais très bien ça. Un bassin d'élevage ici. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? De l'or. Ah ah. Très bien. Non, ouais, enfin, fais gaffe quand même. Regarde. This is the pool that Bing came from. The parasite now writhing behind your eye. Test de compétences. Je sais comment ça marche, c'est pas trop un problème. Ah, plus 1 d'intelligence. Ouh. Et c'est la victoire. Réussite. Très bien. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Non, j'ai pas envie de tendre ma main là-dedans. Ah ah, il y a un flagelleur ici. Qu'est-ce qu'il a? Jade, ok. Très bien, bien fait pour lui. Ah, c'est marrant, j'ai déjà une arme, un bâton. Ok. Ah, un gobelin. Ok, pardon. What, what, what? Case de flageller. Non, c'est pas. Non, c'est visqueux, c'est pas bien. C'est sale. Aquarium cérébral. Tablette occulte. Très bien ça. What is that? C'est où? Tablette occulte. Lire. Ok. Chaque fois je me faisais avoir aussi, donc il n'y a pas de souci. Pareil, je me trouve pas là.
fais là, toi? Ok. Ok. Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. The enemy. So many enemies. Remove us from this body. From this case. Free us. Alors, je crois que j'ai un peu plus de dextérité que de force. Ça, je pense que ça doit demander de la sagesse. Faire de la dextérité. Let's go. 9. Ouh, juste. Réussite. Continuez. Yerk. Bref, ben voilà. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Non, j'ai pas envie. Je pense qu'il faut mieux faire comme ça. Voilà. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. Querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Us. We are us. Ok, c'est un peu flou ton truc. Très bien, on va y aller. On peut aller à la passerelle. Cerveau en bocal. Oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Brains. Curious. Oh merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire, pardon. Bah, tout prendre, y'a rien à prendre. Cerveau en bocal, bon bah ça on s'en fout. C'est un peu sombre, c'est un peu relou. Non, y'a rien là. Ok. Ah, mais si. Ah bah non, y'a le gobelin ici, ok, très bien. Rayage neutral. Tout ça, tout ça. Il me semble qu'il y avait plus de choses à voir là-dedans, puisqu'on n'a pas vu... On soit prêt. Je ne sais plus. Ok, bon, on va avancer, tant pis.
On ne sait plus si c'est après qu'on va en broker ou pas. Voilà. Allez, Madère. Ouh là 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 là, ça craint. You are no thrall. Blackith blesses me this day. Together, we might survive. We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geth, mind flayers. Ah bon, mais déjà. Ok. Exactement, mais tu dis pas qui tu es. J'ai plus le temps de finir mes questions, moi. Oula. Ah bah c'est le cerveau, du coup. Vas-y, hein. Attaque-le. Voilà, mort. D'autres questions? Ah. Hop là. Fin du tour. Son bonus, action. Espion de sort niveau 1. 3, 2. Sort mineur. Ah, c'est ça, moi je veux du sort mineur, moi. 1 des 6. Combien de. Ah, et ça c'est concentration du coup. Pouf, et... paf, 5. Ok. Fin du tour. Voilà. Court repos. Fin du tour, allez. Aïe. Ah, raté. Ah, très bien, ça. Bah, tiens, vas-y, toi, le petit. Pof. Super. Bah, on a plein de points de revue. T'as joué à la mentale, ici. Ah. Vas-y, tout prendre. Diablotin, là. Je ne sais plus qu'il y avait des diablotins. Tiens, ça, on va l'envoyer à. Hop là. Tac, tac, tac. Ah, un asservi qui est mort ici. Cimetière, pareil. On va envoyer à madame. Hop là. Ça aussi. Ça me fait un pla... Ah, ça, c'est quoi? De l'or. Ça, je garde ça. Pardon, désolé. Ça, je garde bien. Il est où? Ah bah tiens, il est là. Non mais... Caméra. Ça, je garde aussi. Désolé. Tac. Oh. L'aquarium de tentacules. Tac, il n'y avait rien d'autre dans le coin.
food for mind flayers, I suppose. Ok, on va continuer d'avancer, ça doit être par là. Restauration. Tous full vie, tous full life. Une asservie morte ici. Ah, une épée courte. Ok. Classe d'armure 10. On fout un peu. Là, je garde. C'est quoi là ton épée? 4-13. 4-9, non, ça c'est nul. 4-9, ça c'est nul. Non, mais c'est bon, t'embête pas. 15, bah ouais, bah très bien. Botte de goût. Bah voyons. Ah, mais lui, je l'ai pas looté là. Petit diablotin. Bon, ok, très bien. On servit. Prends. On peut pas avancer plus loin ici là. Quoi? Merde, ah merde. Bon, aïe 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 aïe. Vas-y, va là. Tiens, vas-y, fais ça. Ah. Très bien. Non, c'est pas là. Pas où faut aller. Berceau. Ah oui, ok, bon, super. Je suis un peu paumé là. Où doit-on aller? Je trouve que les... Alors attends. J'ai leur mental, ok. Nous là on vient de là. Nous là on vient d'ici. S'il y a d'autres endroits où passer. Il n'y aurait pas là. Ouais, on n'a pas le choix, faut qu'on aille là. Hein. Ok. Ok. Je pense que... Je pense qu'il faut sauter en fait, c'est juste pour nous apprendre le saut. Voilà. Non. C'est ça? Non, c'est pas là qu'il fallait? Marche pas ça? Merde alors. Je... Merde. Je suis déjà... J'ai bloqué. Ok. Alors, attendez. C'est ça là, c'est là, vous enfuir. Oh, vas-y. Ah, j'avais pas vu, bordel. Putain. Ok, my bad. Thank you.
Tiens, est-ce que là... Ah non, là c'est vraiment bloqué de ouf. Alors, ah voilà. Il me semblait bien qu'il y avait des trucs ici. Ah, un sac à dos. Très bien ça, Onyx. Or, tout prendre. Off. Une formalité, faire un set. Oh putain. Ok. Lucky me. Warding ruins. You feel them drawing energy. À côté du question. Are you satisfied? We need to go. The console appears dormant. The console hums to life. Faire un 10, on va tenter. Ah merde. Ça c'est fou là, j'ai du... of the device betrays its purpose. It could do anything. Bon allez, je pose la main, tant pis, hein, je tente. Hein. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Oh, faire un 2, allez. Ah, je peux pas tout échouer à chaque fois non plus. You feel the biomechanical brain of the console process your command. And yes. Mon breaker est avec nous. You feel sated. Ok, bizarre. Bon, ok, il est un peu KO, mais bon. Débrouille-toi, quoi, mon breaker. Je pensais que cette damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because you have a gift with you. You keep dangerous company. Did. It must be because of those parasites they put in us. They'll have to wait. We need to get off this ship alive first. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Très bien, allons-y. Moi, je m'appelle Madère. Shadow. Hop là. One moment. Nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Pas de problème. Terminé, ça. Ah, ok. Alors. Ah tiens, occultiste. Life flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Super, mais je peux pas le looter. Merde. Sac à dos vide. Touché. Attends. Manuscrit. Collier bruni. Ouais, ça je prends. Esprit sombre.
Reliquat. Verrouillé. Ah. Non, mais attends. Oh non! What the fuck? Des cultistes. Ok, alors là c'est mon bunker. Suffisante. Qu'est-ce que t'as toi? On sort mineur. Trait de feu. 65. Ouais, bah vas-y. Hein. Pâté, ah, pas de chance. Ok. Fin du tour. Toi aussi, t'as des trucs là? Pas envie de gaspiller. Voilà. Fin du tour. Oh quoi, elle a perdu un point. Ok. À ton tour, toi. Aïe aïe aïe. Ouf. Ah, mais toi là. On va pouvoir le défoncer là. Ah, bah non, il est mort. Allez, paf! Ben voilà. Alors toi, tu peux aller te soigner. Ah bah tout le monde est soigné. Ok, très bien. Bon, on va tester. Duk. Bien sûr aussi. Hein. Ouf. Ok, bon bah... pas mieux, hein. A priori, c'est par là, mais... Savon bocal. Sphincter ici. Il y a plein de trucs. Hein. Non, ça je crois que ça explose. J'ai combien de points de compétence là? J'en suis où? Est-ce qu'ils mettent ici? Je crois que c'est ici. Hein. Attribut à point d'XP. 75. J'ai besoin de 225. Ok. Oh, mais non mais. Ah, j'ai oublié de looter les autres là. Ah, tiens, un clé en or. Attends les gars. J'ai pas fini de looter hein. Voilà, Onyx. Tout prendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Question de flageller. Je sais pas, ça c'est quoi ça? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ok. Let's have a look. Coffre cartilagineux. Shop, rune occulte. This might unlock those controls next to the pod.
Potion de guérison. Rune occulte, ok. Collier bruni. Porte-clé, très bien ça. Ok. On va retourner là-bas. Alors, ah oui, j'ai pas looté les bonhommes moi. Mais ça, on s'en fout de ça. Il est où le... Merde, j'ai commis deux meurtres. Il y en a un là. Une bougie. Ça peut être utile pour enflammer des épées. Ah. Bon. Très bien. Y a rien d'autre hein, de toute façon. Allez. Tac. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. I'll trust my own judgment. Oh là là, ça y est, ça. Faites pas chier. Sauvegarde, très bien. Possible d'aller plus loin. Oh putain! Oh la vache! Ok. Ah ah. Un diablotin inférieur. Ah, c'est Ombreaker qui... ah. Sanglier infernal. Oh mais là, faut... C'est pas fini, toi. Je sais que je risque de la toucher un peu. Hop là. Paf, 4 points, très bien. Fin du tour, allez à toi. Il y a 21 points de vie quoi. Oh, il a loupé ce con. Ah zut. Aïe 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 aïe. Est-ce que t'as un truc un truc à looter ici, hein, c'est ça qui est chiant. Oh, 20 points. Raté, très bien ça. Raté, très bien ça. Aïe, oh, raté. La chance. Ça
Bon, allez. Superbe. On the move. Un deux tours. Non! Mais quel con! Putain, quel con! Aïe, ah désolé petit cerveau. Bon bah tant pis, hop là, tiens toi petit cerveau. Tac. Fin de tour. Paf. Ah ah. Armure en cuir et... Tout prendre. Une arbalète légère. Ça peut aider. Waouh. Ah ah. Ok. Super. Une arbalète qu'on va prendre. Quoi ça c'est? Flamme sacrée. Ok. Ok. Ah mais il y en a encore là.
Ah, mais il y a encore 3 là. Ah, bah très bien. Très bien, très bien. Merde, ça va. Merde. Ok. Bon, mais toi, tu vas. Hein? Ah, zut. Aïe, le cerveau. Sanglier. Raté. Hop, le cerveau. Donc toi. T'es doux, je peux plus réattaquer? Allez, pof. Voilà. Make way. Deux points encore. Ah oui, mais bon, c'est bon ça. T'inquiète. Got to press on. Fin du tour. Ok, ça marche. Hop là. Points d'XP, papa. Pa. Eh ben voilà. The Helm's alien transponder. You've made it in time. Au nom de Dieu. Ta-da! Bon, on a réussi. Trop bien.
Eh ben, on l'a échappé belle. Madère. J'aurais pas dû mettre le truc bizarre là pour. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Est-ce que je m'ausculte ou ça ou je tente de savoir où j'ai atterri? Allez, ça. The crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Ok. Trouver le remède. Ça marche. Hey! J'ai pas gagné de d'XP là encore. Ah, presque, plus que 19 points. Bon, y a rien. Ah tiens, un pêcheur. Par là, là. Non, y a rien. Y a un chemin? Non, y a pas de chemin, y a rien du tout. Ok. Ok. Oh, ombre cœur. Il est avec nous. Prends-lui. J'espère qu'on va avoir le choix. Allez. Après tout. Yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Okay. Est-ce que vous avez une idée d'où on est? I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Où est passé notre ami Git? Ok. Ok. Entendu. Allez, vas-y, let's go, ombre cœur. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Ok, très bien. Bon, j'ai essayé de lui chourer son truc, mais ça, elle le sait pas. C'est bien ça qui... Ah, j'ai gagné un niveau. Trop bien, trop bien, trop bien. Ensorceleur niveau 2. Point de vie, j'en ai 14 maintenant. Ouh là là. Ration de points de sorcellerie. Pour déverrouiller des emplacements de sorts. Ok. Ah ça, machin, vision dans le noir, entraînement des armes draw. Magie sauvage, déferlant du chaos. Attaque d'opportunité. Alors vous avez appris un sort.
Action, création d'emplacement, ok. Aptitude, déverrouiller, ok. Et point de sorcellerie plus 2. Vous avez pris un sort. Dans main brûlante, non. Trait de feu, couleur dansante. Non. Nappe de brouillard, non. Couteau de givre. Sommeil. Arc électrique. C'est pas mal ça. Couteau de glace. Ah, pas mal. Après, il y a le charme personne. Ah, j'hésite. Bouclier. L'arc électrique, c'est rigolo. Un 12 points de dégâts de foudre à chaque tour. C'est quand même. Peut quand même être bien. Après, il y a le couteau de glace qui est aussi puissant quand même. 2d6 de froid. C'est puissant quand même. Hein. Non, il y a sommeil qui permet. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un cumul de points de vie au max. Prendre les couteaux de glace pour le moment. Non, j'ai beaucoup de charisme, donc théoriquement, je devrais être beaucoup plus. Ok, alors. Aptitude passive de classe, sort de précaution. Les réagissent, réussissent automatiquement leur jet de sauvegarde contre les sorts quand il faut en jouer. Waouh, trop bien. Sort distant, augmente la portée des sorts de 50%. Se retrouve avec une portée de 9 mètres. Waouh, trop bien. Sort prolongé. Sort jumelé. De plus par niveau. Ah. Ça c'est pas mal. Et ça ça c'est puissant. Remplacement de sort, sort supprimé, sort ajouté. Projectile magique. Non, pour l'instant ça va là-dessus. Allez, j'accepte. Papala. Trop bien. Oui, bah ok, oui, mais ça on sait. Non, par contre, on va faire Ombrekœur. Gagne un niveau, ma grande. Trop bien. Claire de niveau 2. 17 points de vie, trop bien. Aptitude de classe, tout ça, tout ça.
Ok, super. Très bien. Renvoi des morts vivants et invocation de duplicata. Pff, ouais. Alors toi, t'as quoi, toi? Soins, blessures. Corps à corps. Guérison. Ah, mais j'ai les deux. Ok. Bouclier de la foi. Rayon traçant. Blessure. Il n'y a pas une bénédiction. Bénédiction, ça c'est bien. Plus que le bouclier de la foi, en fait, presque. Protège une créature contre sa. Hop là, on va mettre la bénédiction qui est vraiment top. Blessure, c'est top. Ouais, blessure, c'est pas mal. Au corps à corps. Rayon traçant. Ouais, non, c'est bien. Tac, et voilà. Très bien. Hop là! Coquillage. Un tonneau. Ok. Ah, elle a une bourse. Très bien, mettre les objets. Alt gauche, oui, je sais du coup. Potion de guérison. On s'en avoir pas mal. Ok, tout prendre. Ok, tout prendre, mais t'as rien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs par là? Ouais, il y en a un peu partout. On va regarder dans le tonneau là. D'or, et là il y a un pêcheur aussi. Bon, je crois qu'on va faire. Ah, pas mal ça. Poisson, bouteille, or. Hop là. Pensez à faire des provisions de nourriture. Mais oui. En effet. Lettre parfumée. Ah tiens, on peut la lire. Ah zut, à lire. Ah. Dommage. On sait-on jamais. Allez, on va prendre un peu à manger. Sac de provisions ici. Lire. Ok, super, un bouquin de chansons là. Non mais, je peux pas ramasser? Ah non, je peux que les lire. Ok, très bien. Hop, merde, raté. Champ marin. Ah ma mère. Pêcheur déchiqueté, ça on l'a déjà looté. Pêcheur mort. Ah, il y a des tonneaux ici. Ok, c'est quoi ça? Bouteille. Peut-être en faire un truc après. De l'or, ça on prend de l'or, c'est toujours intéressant. Outils de voleur, ah! Attends, les outils de voleur, toi t'as quoi en. Dextérité, t'as 13 et toi tu as 13 aussi, donc on s'en fout complètement. Ça. Leur nom. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Oula, pardon. Ah, Peladon.
Tac. Vas-y. Recette débloquée. Très bien ça. Je vais faire H pour faire des recettes. Trop bien. Ah, un point de passage ici. Très bien. Ouais, après je pourrais peut-être tenter avec les outils de voleur. Mais j'avoue que j'ai plutôt envie de looter des coffres avec. Tac. Dague. Quoique, non, je peux ramasser. Tac. Par contre, ils avaient dit H. Ah, très bien. Je peux rien faire, mais très bien. Ah ah. Attends, Alt. Est-ce que là... Ah bah tiens, il y en a un là. Je peux looter celui-là. Ouais, bah c'était ça. Ok, encore... Bon, après, là, il y avait... Il y avait un ou deux cerveaux ici. Très bien. On va faire un petit combat. Juste... Attends, l'équipement. Équipement. Ouais. Ah bah oui, tiens, là. Ça... Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. Ah ouais, mais non, mais le bâton est mieux quand même, je pense. 0 à 7, je peux faire renverser. Non, mais c'est quand même plus une arme de roublard, ça. Tac. Comment on fait déjà? Utiliser machin. Ah, ça se cacher. Se cacher. Raté. Se cacher, je voulais aussi. Ah, elle est là. Ok. Oh. 99%. Hop. Et surpris. Non mais non. Ah ah. Ah dommage. Mais fin de tour alors. Toi fin de tour aussi. Foncez, bah vas-y, fonce.
ce que je te dise. What? Alors. Lumière, aide à les viser. Non, mais toi, je vais te. Je te défends. Poum! Ah, c'est tout? D'accord. Là, c'est 2 points. Ok. Putain, ombre cœur est déjà full life là. Enfin, pas full life, mid life. Paf! C'est 4 points et c'est pas possible. Wouah, la vache, elle va mourir. Raté! Mais défends-toi! Putain! Aïe, j'ai un désavantage. Ok. Projectile magique. Tac. Ah merde. Non. Non. Attends. Couteau de glace. Tiens, vas-y. Merde. Je suis pété en parallèle. Foncez, ok. Et toi, fonce aussi. Ok, voilà. Très bien. Donc toi, là, tu vas faire... Eh ben... Là. Ah. Putain, c'est ouf ça. Résistance, ok, ben... Oh, potion de vitesse, très bien. On va le hamadère. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, flagelleur mental mort. Non, par contre, je vais... Potion de guérison, machin, tout ça, bulle à point, ah bah tiens. Sinon, comment est-ce qu'on fait? Journal, carte... Ah, balise. C'était comment déjà les repos courts? Ah bah si, bah c'est là. Repos courts. Et toi là, tu vas peut-être aussi consommer une potion de soin. Boire.
Voilà. Un noble enclavé là. Un noble enlevé, pardon. Putain, enclavé. Waouh. Noix, très bien. Médaille en argent. Une rapière. Alors ça, on va envoyer à Madère. Ça, on va envoyer à Madère. On va envoyer. Non, mais puis le reste, on peut tout prendre. Alors, par contre, toi, t'as quoi? Attends, ça, c'est une rapière de 9. Et toi, tu utilises une masse d'armes. 1 des 6 plus 1 contendant. Ouais, elle maîtrise pas l'arme. Donc, ok, ça sert à rien. Ok, bon bah on va regarder là-bas à nouveau hein, si des choses. Ah, ça me rappelle quelque chose par là. Il y avait c'est vrai qu'il y avait des gens. Ah non, peut-être pas. Petite voleur, c'est toujours intéressant. De l'eau, intéressant aussi. Utiliser. Ah, oh, 5. Oh, bah ça va. Oh, chier. Non, t'as pas le droit. On va essayer. Six, ah. Sept, ah ouais, quand même. Ah, vache. Dur. Ah, de l'or. Ah, casque en cuir, ça c'est intéressant. Alors. Est-ce que Ombrecoeur avait un casque? Merde, pardon. Voyons Ombrecoeur. Ah, la serre-tête. Un bandeau. Confère touche d'élégance, mais aucune protection supplémentaire. Bah, vas-y, mets un casque, hein. Qu'est-ce qu'on... Ah! Dextérité. Ouais, si, quand même. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Elle sera au corps à corps. Elle va se prendre des coups, donc... très bien. Ah, non. Attends, non, 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 non. Laisse les spécialistes. Et l'herbe amère. Hop là. Hop là. Et là j'ai pas assez. Ah si, tiens, suspension. OK. Ok, bon bref, je sais pas ce que j'ai fait. Non, là, il n'y a plus rien. Ok, très bien. Astarion.
Ok, là il se passe rien. Ok. Donc j'ai Astarion par là. Est-ce que je vais le voir de suite, lui? Ou est-ce que je vais voir le... Parce que là, théoriquement, si je me souviens bien... Hop là! Il y a un flagelleur mental... Non, c'est juste là où j'ai fait le combat d'avant. Ouais, c'est peut-être là où j'ai fait le combat juste avant. Ah, non! Je savais bien qu'il y avait un truc dans le coin. J'ai fait le combat juste là. Pouf, pouf, pouf. Là, il n'y a rien à prendre là, par là. Ah ah, si, il y a des choses. Ok, bulle de vide. Ok, bon. C'est bon, on peut redescendre là. On peut aller là. Ok. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now if only you didn't feel compassion. Compassion. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Intelligence, je crois que j'en ai pas assez en fait, c'est le truc. J'ai que 10. Paf! Vas-y, dégage. On n'est pas là. On n'est pas venu là pour enfiler des perles, n'est-ce pas? Bon là, il n'y a rien. Il n'y a rien, 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 rien. Là, il n'y a rien, hein, toujours. Non, ok, il n'y a rien. On va aller là. Et puis ben, on va aller parler à Astarion. J'ai l'impression que... Ah bah tiens, ils sont là eux. J'ai comme l'impression qu'on va être obligé. Une plante. Non, pas de plante. Hop là. Ah j'ai pas... Journal, on va quand même regarder le journal. Quête accomplie. Pierre du nettoyage, machin et tout ça. Ok, fille des ténèbres. Très bien, trouver un remède. Carte. Oui, très bien. Point de passage, ok. Ah oui, c'est... Oui, ok. Ah, d'accord. Ah oui, je suis pas allé là-dedans. Ok. Bon, il va peut-être pouvoir nous aider. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others?
I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Ok, il essaie quand même de nous tuer. Ah, 10 quand même, hein. Vu les lancers que j'ai fait. Oh, bah, ok. Vas-y, you're dead, guy. Succès critique. Paf! I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pot. What did you and those tentacled freaks do to me? I'm not an idiot. I saw... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes. Okay. Dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? The worm. Of course. That explains things, somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Après tout, ouais. Indeed, we are. Please allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... It hasn't happened yet. Yes, yeah, ici dans le coup. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right, I accept. Lead on. Très bien, très bien. Ça, c'est pratique. Et je dois monter de niveau à Astarion. Très bien. Je suis pas sûr que je le garderai parce que je le jouais. Lui là, ok, rien de foufou. J'ai ce cachet foncé, très bien. Alors, est-ce que. Donc, toi, tu as. Merde, Astarion, tu as un petit couteau de 4-7. J'ai peut-être des choses à te donner. Non, 2-5. Alors, voir si je peux le filer à Astarion, ça. Ah tiens, j'ai récupéré un crâne. Bon, bref, on s'en fout. Tac. Alors attends, parce que moi là sur la carte, je voulais aller ici. Ok, tac, tac, tac. Je vais aller voir si je pouvais retourner là. Donc, je pense qu'il faut que j'aille là. Tac. Là, j'ai pas de choix, je peux pas y aller. On va essayer d'aller là. Essayer d'aller là. Là. Ah.
priori on peut pas. Ah bah non, a priori on peut pas. Ok. Bon, on va aller là alors. Ah bah, ok. Lui on peut passer par là après tout. Ah bah tiens. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, là il y a eu de la baston là. Un arc gobelin, sac de provisions, très bien. Gobelin mort. Cimetière gobelin. Cimetière, pardon. Potion, ok, tout ça, ça c'est cool. Vide, vide, vide. Qu'est-ce qui se passe là? The sigil on the stair. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. J'ai pas sauvegardé, mais tant pis. Allez, je peux faire quand même. 9, ok. Putain, je suis pas délancé de fou. Hein. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Ah si, j'ai réussi à récupérer quelqu'un. Ah bah c'est Gale, très bien. Un magicien, bah très bien, je vais être au complet. Hello, I'm Gale of Waterdeep. Apologies, usually better at this. At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Aha. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Fair enough. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not? Ouais. The certi we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? Oui, oui. A process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon. Only adroit with a knitting needle. Ça a l'air d'être un bon, lui. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more, and
and look for a healer together. Most excellent. Très bien. Is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Très bien. Et Gail, pareil. On va te monter de niveau. Hop là. Alors toi, tu vas falloir te sélectionner des sorts. Alors, niveau de magicien sous classe choisi. Ta-ta-ta, blablabla. Aptitude de classe. Ok, alors, évocation. Mettre l'énergie au service de la taille. Transmutation. Illusion, non, divination. Enchantement. Okay, invocation, nécromancie. Abjuration. C'est pas mal ça. Ah. Et ouais. Ça c'est pas mal. Vous regagnez un nombre de points de vie égal au double du niveau de l'emplacement de sort choisi. Une fois par tour, si vous tuez une créature. Ah. D'accord. Oh, pas mal. Bon, l'enchantement. Ouais, évocation, je sais pas, ou nécromancie, c'est pas mal. Créature et d'objet. Ouais, c'était cool aussi ça. Ouais, j'hésite vachement. Oh,
Appel de familier. Invocation. C'est les mêmes du coup? Ah ouais. Ouais, c'est pas mal ça quand même, hein. Bannir la magie. Faire un défenseur. Allez, on peut faire ça. On peut tenter ça, on peut tenter ça. Tu vas apprendre. On peut appeler un familier. Courir de machin là, ouais. Ouais. Protection. Feuille morte, simulacre de vie, repli expéditif, non. Ouais, quoique j'ai pas de sort de feu, ça peut toujours aider. Allez, préparer des sorts. Quoi, j'ai graisse, couvre le sol d'une couche de graisse et les créatures qui se trouvent dans la zone se ralentissent et risquent de tomber par terre. Ok, vague tenante, ok, sommeil ça c'est bien, arc électrique. Armure de mage. Ah, ça peut être utile. Ouais. Non. Allez, je vais faire plutôt ça. Allez, accepter. De toute façon, on va essayer comme ça, c'est pas bien grave. Hop là. Cool. Hop là. Donc là, tac 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 tac, ouais bah non mais là ici on a fait le tour. Donc c'est plutôt par là. Hein. Puis là je suis passé par là et puis voilà. Très bien, très bien, très bien. Là par là il n'y a rien, hein. Y a rien de particulier. Merci, très bien. Ah. Ok, bon, bah on arrive dans une nouvelle zone. Ah oui, bah on arrive au-dessus. On arrive au-dessus. Très bien. Et là, ouais, bah là, on... Ok, bon, puis là, après, on arrive. Ok, très bien. Bah, on va... Hop là. On va s'arrêter là, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on joue. Et puis, bah, on reprendra... bientôt. On va beaucoup y jouer, je pense à celui-là. Et puis voilà. Ah oui, il y a ces deux lutins, ça je me souviens de ça. Bon. On avait déjà fait de toute façon cette
cette partie du prologue, donc enfin pas le prologue, ce premier acte. Donc bon, il y a des choses qui vont changer, j'imagine, mais pas tout. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça donne tout ça, et puis voilà, on va avancer. Mais en attendant, on va se quitter. Allez, merci, ciao!